C'est une rencontre de plusieurs élèves de terminale de divers établissements de la ville de Lambarné qui se sont réunis ce jour pour écouter avec attention les explications relatives au métier de l'aviation civile. Tour à tour, les spécialistes défilent devant les élèves pour présenter la panoplie des métiers, une science de travail qui a beaucoup intéressé les apprenants. C'est une bonne initiative du président de la République car ça permet aux élèves comme nous de nous rendre compte que le métier de l'aviation, en fait, c'est l'avenir, en fait. Un pays qui n'a pas de compagnie aérienne, en fait, n'a pas d'image dans le monde. Je serais honoré de participer à ce développement. J'espère que tout va bien se passer quand j'aurai mon bac et je compte bien me lancer dans ce secteur-là. Le métier qui m'a touché, c'est ingénieur mécanicienne aéronautique. C'est parce que c'est un monde fascinant, comment construire ou bien réparer des avions, c'est vraiment incroyable. Ça fait toujours du bien d'être informé parce qu'on ne sait jamais, malgré qu'il y a beaucoup d'opportunités, vaut mieux quand même avoir toutes les chances de son côté. Suite à cet engouement autour des métiers de l'aviation civile, le directeur général de l'ANAC revient sur l'intérêt de cette campagne. L'aviation civile gabonaise est en pleine expansion. Elle a besoin de vous. Vous êtes la génération qui façonnera l'avenir de notre ciel. Et nous sommes ici pour vous accompagner dans votre envol. Notre objectif est simple, rendre ce secteur accessible à tous et contribuer ainsi à la croissance et à la modernisation de notre pays. Pilote d'avion, mécanique aéronautique, les métiers autour de la SECNA, la météorologie, la médecine aéronautique, ont pu être présentés à ces jeunes du Moyen-Ogooué.